Et yo, une petite slime CGX. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour unbox tout simplement un petit colis que j'ai eu sur Wish. Donc je cache pas les mecs, je sais pas du tout si ça va être de la qualité. Je l'ai payé extrêmement bas niveau prix. Et en fait, je sais plus trop comment elle est faite la souris. Je crois qu'elle est un peu transparente. Enfin bref, j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, les gars. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup confondu sur ma dernière vidéo. Sur mon dernier unboxing, en fait, vous avez cru que je faisais un concours sur cette vidéo. Alors que non, je me suis mal exprimé. Et du coup, en fait, ça fait que des gens ont participé en commentaire. Bah, sans avoir de réel lot à gagner, en fait. Mais sur cette vidéo, en fait, il y a un concours pour gagner le combo Xenon de chez The G-Lab. Donc pour le gagner, simplement les gars, il faut liker, être abonné, marquer un commentaire et aller follow et retweet le tweet dans la description de mon serveur. Donc je fais avec mon serveur, parce que de base en fait je voulais mettre sur mon serveur, etc. Enfin je voulais plus le réinvestir dans mon serveur pour vous le faire gagner. Mais en fait je me suis dit ouais, vu qu'il y a trop de gens qui l'attendent, et bah je vais vous le faire gagner simplement. Faudra aussi aller follow le Twitter de mon serveur, parce qu'en fait il va bientôt ouvrir, je ne vous en ai pas parlé, mais il va bientôt ouvrir. Et en parlant de ça les mecs, si vous ne savez pas, en fait je fais des lives régulièrement le soir. Donc si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche. Marquez en commentaire que vous avez activé la petite cloche. Comme ça je verrai qui active la cloche et je mettrai votre commentaire avec un cœur à tous ceux qui disent que bah qu'ils ont activé tout simplement la cloche. Donc voici la souris les gars. Du coup on va tester tout ça. Je vais être sur Wish comme je répète les gars. En tout cas voilà les mecs, ça me fait super plaisir que vous aimiez les unboxings. Parce que vraiment c'est cool à faire, j'aime bien en faire. Je suis bah ça fait plaisir à tout le monde. Et puis ça change un peu de Minecraft, parce que Minecraft ça a beaucoup lassé des gens. Pour preuve, bah regardez, genre je fais beaucoup moins de vues sur une vidéo Minecraft qu'une vidéo unboxing. Donc voilà, si ça vous plaît les gars, faites-le moi savoir. Puis comme ça vous participerez au concours tout simplement. Donc voilà la souris, elle a un bon clic, enfin genre le clic qui... Genre c'est vraiment un clic hein, c'est pas genre... C'est pas un faux clic et tout, genre vraiment t'entends vraiment le bruit hein. Donc à l'heure où vous verrez la vidéo, je serai sans doute, je dis bien sans doute, en live le soir. Donc si c'est pas déjà fait, bah vous avez juste activé la petite cloche comme je le répète. Mais c'est important parce qu'en fait il y en a qui savent pas, alors qu'on fait vraiment des trucs de ouf avec Aropi. J'ai un montage à terminer là, d'un live tout simplement. Parce qu'en fait il y a juste à couper les clips, mais il y a genre 5 heures de clips. Et c'est très très long, 5 heures de clips à couper, c'est vraiment extrêmement long. En tout cas la souris, bah elle est vraiment bizarre, vous avez vu. Voilà la souris les mecs. Elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment vraiment bizarre hein. Elle s'affiche que en vert je crois. Et franchement le design, bah il sort vraiment de l'ordinaire hein, pour une souris. Franchement il sort vraiment de l'ordinaire. Vraiment très original. Elle est vraiment pas chère hein, parce que enfin normal quoi, vous avez vu. Là il manque du plastique, enfin normal. C'est le design de la souris qui fait que bah voilà. Donc elle est très légère. Clairement on peut sentir comme ça qu'elle est très légère. Donc pour le jitter ça va encore. Mais pour le butterfly en fait c'est impossible, parce que le clic s'arrête vraiment très tôt en fait. Ça fait que bah si je mets mes doigts comme ça, bah en fait ça tape juste sur le plastique vert, enfin qui est de couleur vert, et non pas sur le clic de la souris. En tout cas voilà, ça fait un design un peu particulier quand même. Elle est pas chère du tout, je l'ai acheté, j'ai pas de partenariat avec cette marque, hein, je connais pas du tout. Là, je vous conseille de faire vraiment attention quand vous achetez ce genre de produits sur des sites comme Wish. En tout cas on va aller tester la souris les mecs, puis on va voir ce que ça donne hein. Franchement j'ai vraiment hâte de PVP avec, pour voir bah si je me démerde ou si vraiment ça va être horrible. Donc on se retrouve tout simplement en rush. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment refaire ce genre de vidéo où est-ce que je présente des produits avant que vous les achetiez. Donc franchement si c'est pas déjà fait, vous avez juste à vous abonner, c'est gratuit. Et si c'est pas déjà fait, bah moi je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que les unboxings vous plairont, parce que je compte vraiment en refaire beaucoup. Donc les mecs on se retrouve un jour après, parce qu'en fait j'ai dormi entre temps, parce que moi je suis le genre de personne qui dort en fait. Je sais pas si vous dormez vous, mais moi je dors. Bref j'ai baissé la luminosité sur la cam, parce que sinon en fait ça faisait un truc genre vraiment trop lumineux, même si là c'est un peu lumineux. Bref vous avez vu la souris, je trouve que les clics sont vraiment mal placé, parce qu'en fait quand j'appuie là il y a une chance sur 10 que ça clique, enfin vous voyez, alors que faut bien cliquer là, c'est un peu chiant. Mais bref on a lancé une game. Putain mais ouais, mais what the fuck, what the fuck mec, c'est vrai que c'est incroyable mec. Alors là on va galérer. Bam, j'ai pas joué depuis 2 jours. Allez niquez vous. mes vidéos. Non s'il te plaît mec, je t'ai acheté un micro, c'est pas pour que tu satures ton micro, genre vraiment je suis isolé de façon correcte. Non, parce que là c'est horrible. Autre chose, mais pas de tout. Mec, mais en vrai, elle est bien la souris ou pas? Mais c'est une souris à 1€ là, gros chien. Donc non, elle est nulle. Regarde, on fait ça. Attendez, hop, voilà. Hop, voilà. Donc là, je pense que c'est un problème de DPI, parce qu'en fait, quand on bouge comme ça, ça bouge pas beaucoup. Alors que normalement, si on fait ça, voilà, ça bouge beaucoup. Allô? Gros, mais j'ai la tête à Jean-Fils tellement que j'arrive pas à cliquer dessus là. Mais mec, t'es en train de bouffer ton crâne si t'es gentil, mon pote. Et vraiment, ta tête, on dirait les trucs québécois là. Une chaudière d'eau là. Ton dernier avec l'eau. Ah, yes, il a bugué. Ah, tu veux. Mais t'es. Oh là là. Non, mais là.
La série. J'ai une riche, hein, cette série, j'ai une riche, c'est un autre fake. Hein. Ta gueule, ta gueule. Par contre, si je la pète avec un coup de main, mec. Oh. Il a atterri dans les chiottes. Oh, le camé, il a atterri derrière. Non, tu l'as vu, je tombe dans le vide. Oh, oh GX. Alors ça non plus c'était pas très malin tu vois. Oh, genre fils il est meilleur de côté de moi. Non allez à 1€ je t'ai passé de là à 100€ t'es con. Merde. T'as entendu ce merde de fébrile que je t'ai lâché. Merde. Tu fais une ligne ou tu creuses la putain de ton père. La pauvre souris. C'est des bideux, hein, vraiment tous des bideux, un par un, genre. Le fond de la salle c'est un bideux, le gars à côté c'est un bideux. Ils nous accusent de shit au passage, hein, dans le chat. Tu feras attention, ils nous accusent de shit. Je prends la commu. Ou alors ça. Alors ça, si je prends pas ma souris mec pour te regarder alors là. Je tombe de caprice des. Oh les gros. Oh gros, t'as un truc à la tête de ma mère. Allez, ferme ta gueule. Ça c'est le vrai à repiler mec genre. J'ai cadé. Ah je m'en bats les cadets. Non mais arrête mais comment. Ouvre le bouton rouge, allez salut. Tu me tues le bouton rouge, ok. Non. Avec une souris à... Avec une souris à 6 francs mon frère.